On perd des potes sur la route, on se dit que la vie est courte, qu'il faut en profiter coûte que coûte. On se casse la gueule, on rebondit parfois tout seul, mais on chiale tous face au cercueil. Face à cette nouvelle absence, on offre ce qu'il nous reste, notre présence. La vie y perd un peu de son sens. Un monde meilleur, on lutte tous pour l'avoir. Beaucoup trop dans nos mœurs, sans même l'entrevoir. Les révolutionnaires anonymes, au drapeau noir. On rêve tous de changement, difficile d'y croire vraiment. Au noir, on ajoute du rouge sanglant. Celle-ci pour tous les guerriers de lumière, partis trop tôt pour rejoindre la terre. Ils s'en aillent à eux, un grand mystère. Alors que nous pleurons nos camarades tombés sous le feu du bras armé de l'autorité, ou dans le silence des lits médicalisés, d'autres se frottent la panse sans y penser, sans imaginer qu'ils pourraient penser le mal qu'ils engendrent par pur intérêt. Les idées survivent toujours sombres, peu importe le nombre de guerriers qui tombent, au crépuscule, la lumière éclaire l'ombre. La lutte dure depuis des décennies, on y apporte chacun une pierre le temps d'une vie, sans avoir vu les premiers plans, ni le taf accompli. L'existence d'un révolutionnaire comme une fleur est éphémère, mais son héritage est un clos de qualité première. Un fruit qui pourrit, c'est une graine qui fleurit, enterré, il revient à la vie, et seulement nous offrir les graines de l'anarchie. Un fruit qui pourrit, c'est une graine qui fleurit, enterré, il revient à la vie, laissez-moi vous offrir les graines de l'anarchie. Un fruit qui pourrit, c'est une graine qui fleurit, laissez-moi vous offrir les graines de l'anarchie.